La quête du poulet est assez amusante. Ouais. C'est d'une classe infinie. Quand tu vois ça, tu dis, eh, ça va devenir moi. Eh ben. On n'est pas dans la merde. Poulet! Non, c'est moi! Dans la place! Merde! Je veux te frapper dans le poulet. Il y a plein d'autres poulets là-bas, tu pourras frapper. Ça. Merde. Ah, poulet! Poulet! C'est. Par là maintenant? Je sais plus. Où sommes-nous? Là? Je crois que c'est par là. Chasse poulet! Ouais, c'est là. Ah, je pense qu'on y a eu. Poula poulailler. Poula poula poulailler. C'est terrible. Le portail s'est ouvert et tous mes poulets se sont échappés. J'ignore comment ces poulets ont fait. Et je ne le saurai peut-être jamais. Les poulets sont remarquablement intelligents. Vous trouverez ces saligots. Ah oui, c'est vrai. Il est à fond dans son truc. Ouais. Vous allez avoir besoin de ça. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les poulets sont très très malins. Ils se feront pas avoir par un « Venez là, petit poulet, j'ai de la nourriture pour vous !» Oh non, ils sont trop intelligents. Vous devrez les vaincre par la psychologie. Non, ils resteront pas soudés. Ils vont se diviser en groupes de 3 environ pour optimiser leur avantage tactique. Quand vous trouverez l'un de ces groupes, battez des ailes. Et ils devraient vous suivre jusqu'ici. Mais ne les laissez pas tenter de négocier avec vous. Vous feriez mieux de ne pas vous laisser manipuler par ces sales volailles, croyez-moi. Allez, je vais mettre mon beau costume. Il y a des nouveautés à la boutique du sanctuaire. Il vous fallait autre chose. Ouais. Il s'est auto-coupé la parole. Voilà, je préfère foutre. Vous avez plusieurs nouveaux ensembles, ce qui vous aidera à vous habiller facilement. Ah, la pyjama. Attention, la peur. Magnifique. Vous êtes habillé comme un poulet. Qu'est-ce que vous comptez faire habillé comme cela? J'ai choqué, j'espère. Cote, cote, cote. Allez hop. C'est traumatisé tout, j'espère. Allez hop, allons faire le poulet. C'est toi? Sasuke! Ah non, c'est pas Sasuke. Non, c'est le mien. Le bœuf! Non, j'essaie de mordre sa queue là. N'importe quoi. C'est n'importe quoi cette quête. Elle m'aime. Regarde, elle me suit, c'est mignon. Il faut imiter le poulet pour que les poules suivent. Enfin, les poulets plutôt. Suivent. Je crois qu'elle chante. Vous y restez. Oui, elle chante, oui, je m'en rappelle. Non. Vous entendrez sûrement mieux que nous, mais ouais, normalement elle chante à ce passage. Ouais, j'adore les écouter chanter ce petit réserve. Attention, il y a un poulet qui s'échappe. Ah non, c'est moi. Attrapez-le, on va le faire rôtir. Les poulets par là. Poulet. Ouais. Il y a un chien. Ah, j'ai rien dans les poulets. Mon dieu. Oh, Sasuke, putain. Je crois que c'est bien, mon chien. C'est en train de crever, c'est mon chien. Oh putain, il nous emmerde. Vas-y, pose quoi. Je peux pas toutes les faire venir en même temps. Bonne question. Je vais voir. Quoi la statue? J'ai qu'il y a des poules par là. Voilà. Je vois pas. Ça va aller chercher plus tard. Ça se trouve, ils apparaissent seulement ouais, sûrement. Quand... Ah, il y a des poules. Allez, on court. Attrapez-moi ce poulet géant. Non. Attaque,
Sasuke, attaque! Oh, mes cocottes. Non, c'est le mien, c'est ma bebe. Et où Sasuke? Il s'est pendu avec sa queue. Ah, il est utiliser la tenue du poulet pour. C'est du con de l'eau. Ça peut plus permettre de commettre. Genre, elle ressort pas après. Normal. Ouais. Sont tes jambes, tu peux, sont tes jambes. Je suis plus rapide. T'as pris de l'avance. J'ai pas peur d'aller. 10 ans de moins grâce au maquillage. Alors le chien, ils sont où les poules? Ils sont de ce côté ou sont de ce côté? Vous avez entendu parler de ce dingue à Brightwall qui parle à ses... Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Ah non, je crois qu'elles sont là-bas. Ça. Ouais. Sauf que je suis en train de confondre. J'arrive. Où est cocotte? Cocotte. Des armes de toutes sortes, rien que pour vous. Ici. Vous avez une question? Peut-être ne faites-vous que je peux investir davantage. Apparemment, c'est suffisant. Faudra que j'essaye ça avec des vraies poules pour voir si elles me suivent. Le jour où tu mets un costume de poulet, c'est ton mettre la caisse. Voilà. Tu savais qu'il y a des soldes pas loin. Juste pour casser la caisse. Ah, le jour où tu mets un costume de poulet, tu m'appelles, je veux voir ça. On va éviter. Il n'y a que les héros de fable pour se ridiculiser comme ça. Ils sont tous là. Enfin. Je peux pas. Tu parles toujours des poulets et de leur liberté. Tu sais ce que j'en pense? Que c'est toi qui les as laissés sortir. C'est vrai. Je l'admets. Je ne pouvais plus vivre comme ça, en étant complice de cette oppression des poulets. Mais ils auraient pu détruire toute la ville. Et peut-être même le monde. Ils auraient pu vivre leur vie en toute liberté. Ils auraient même pu créer des chefs-d'œuvre artistiques ou littéraires. Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas le droit de les priver de leur liberté fondamentale. Bien. Maintenant, il est clair que les priver de liberté ne suffit pas. Je dois partir du principe que tu vas essayer de faciliter une nouvelle évasion. Ce qui signifie que la seule solution est de les tuer. Oh non! D'accord. Laisse-les enfermer. Le temps qu'on discute de tout ça. Vous, vous avez infiltré les poulets, vécu parmi eux. Vous les connaissez mieux que quiconque. Que doit-on oui, faire trop n'importe pendant 5 minutes. Tuer ou être tué? Telle est la question. Très bien. On les épargnera. Mais seulement si tu jures de ne jamais les laisser sortir à nouveau. Très bien. Très bien. Je vais essayer. J'espère pas avoir commis une énorme erreur. Mais si je les tuais, ça en ferait des martyrs. Aïe 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 aïe. Ouais, j'adore cette quête. Y'en a parfois, tu te dis pourquoi ils ont pas pris un asile. C'est comme ça, Bernard. C'est un trophée. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vais peut-être me changer, j'aimerais pouvoir le croire.